Yo les gars, c'est Kerwan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler de Zoro. Donc si vous êtes prêts, let's go les gars. Le mangaka Eiichiro Oda est connu parmi ses fans pour avoir aimé certains détails de l'intrigue de One Piece s'installe bien avant qu'ils ne deviennent pertinents. Certains de ces indices ne sont que du fanservice, d'autres ont une signification plus profonde et d'autres encore ouvrent la voie à des incroyables rebondissements. Dans le chapitre 989, les fans ont maintenant repéré un tel détail et sa signification potentielle change tout. Le chapitre 989 était sorti la semaine dernière et montrait les pirates au chapeau de paille comment ils ont fait feu sur les subordonnés de Kaido et de Big Mom. Par-dessus tout, l'impératrice Charlotte Lin Lin a eu beaucoup plus que ce à quoi elle devrait être habituée, mais les autres pirates ont aussi de vrais problèmes avec les Nakama de Luffy. Surtout la dernière page du manga pouvait inciter les fans à applaudir. À voir ici pour la première fois depuis longtemps les Mugiwara complètement réunis. Et bien que la scène ait certainement le potentiel pour la chair de poule, il y a encore un petit détail à ce sujet. Zoro qui provoque actuellement un tollé parmi les masses. Pour être précis, il s'agit de la façon dont l'ancien chasseur de pirates porte ses épées. Comme les fans l'ont découvert, Zoro porte ses armes depuis son arrivée dans le Nouveau Monde, toujours sur la manche droite, et seulement maintenant, dans le grand combat contre Kaido et ses hommes de main, cela a changé, et Zoro a déplacé les épées vers la hanche gauche. Manière d'écrire le samouraï, à savoir qu'un guerrier doit porter ses épées sur la hanche gauche, quelle que soit la main de sa main principale. Le porter à gauche signifie que le samouraï est prêt pour la bataille, tandis que le porter à droite indique qu'il ne s'attend pas à un combat. Ce petit détail peut être apparemment sans importance et tellement excitant pour beaucoup car il suggère que Zoro n'a pas pris ses adversaires au sérieux dans le Nouveau Monde. L'arc Wano Kuni n'était pas convaincu qu'un adversaire valait la peine d'être vu dans toute sa puissance. Maintenant, cependant, les chapeaux de paille se battent contre deux empereurs et les partisans qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Si Zoro s'est retenu jusqu'à présent, c'est probablement le bon moment pour enfin tout donner à plein gaz. Bien sûr, cela soulève également la question de savoir de quel chapeau de paille nous avons jamais vu à 100% depuis leur entrée dans le Nouveau Monde. Beaucoup supposent que nous avons déjà vu tous les pouvoirs de Luffy et qu'ils augmenteront son influence, comme avant lors du voyage. Mais vous ne pouvez pas être aussi sûr des autres, car aucun d'entre eux n'a jamais encore été poussé à ses limites. Voilà les gars, c'est déjà la fin de ma vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Ça lancera un petit débat que moi aussi je commenterai. Dis-moi aussi quelle théorie tu voudrais que je fasse. Sur ce, poto, c'était Kerwan. La paix sur vous. Allez, Jana les frérots.